Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors vous allez vous dire qu'est-ce que je fais là, du coup je vais vous expliquer, c'est une petite histoire qui m'est arrivée. J'avais voulu tourner une vidéo, du coup je l'ai fait, sauf qu'en fait ça a bugué, j'ai cru que ça avait enregistré, du coup j'avais fermé Minecraft, du coup ça avait sauvegardé la vidéo, enfin non, la partie, et en fait ça avait pas sauvegardé les vidéos, du coup voilà, je me suis atterri, j'ai fait une vidéo pour rien, je me suis un peu embêtée, du coup je vais tout vous expliquer depuis le début, je vais vous retracer le chemin. Alors j'ai trouvé un village, comme vous pouvez le voir. C'est un peu dangereux la nuit, attendez, on va aller dormir. Un village qui était donc juste derrière mais vraiment juste derrière la maison. Franchement, j'étais dead quand j'ai vu ça, parce que quand je me suis dit qu'il y avait une superbe maison juste derrière chez moi, un super village juste derrière chez moi, je me suis dit non mais c'est pas possible. Ah oui, il y a des explosions de creepers aussi. Je me suis fait chier. Et pour ça, donc comme vous pouvez le voir, c'était là à la maison, du coup je vais vous remontrer. Du coup j'avais envie d'aller miner en fait tranquille. Et voilà, je suis tombée sur cette maison. Enfin, je suis tombée sur ça, je me suis dit what, c'est quoi ça? Ouais, quoi, comme d'habitude un peu, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai été voir, et puis j'avais déjà entendu parler de ces villages, et je savais, je me suis dit, j'ai trouvé un de ces villages, mais juste derrière, quoi. Du coup, j'ai tout changé les corps, hein, y a plus rien. Il va falloir que je prenne le lit aussi. Comme vous pouvez le voir, y a plus rien d'intéressant. J'ai aussi les épées en pierre. La pisse. Enfin, je prends les trucs parce que j'avais pas pu tout prendre. Ça aussi, ça peut servir pour faire des bâtiments, du bois. Voilà. Ah, les pelles aussi. Et un stack ou deux de quebelle. Alors. Et donc aussi, alors pendant cette vidéo, on va surtout un petit peu parler. Hein. Oh, non! Bon, c'est pas grave. C'était pas notre maison, c'était notre ancienne maison. Oh, casse-toi! Donc on va aussi un peu parler donc de ce qui va se passer sur ma chaîne. Du coup, je prévois une vidéo de Call of Duty dans pas longtemps. Par contre, je vous préviens, je vais vous l'avouer que je suis pas très forte. Mais bon, avec vous, je vais évoluer. Peut-être qu'en commentaire, vous allez me dire votre technique et tout ça. Mais bon, voilà, donc c'est là. Donc je vais évoluer en votre compagnie, enfin j'espère. J'inviterai bien sûr des abonnés hein, si vous voulez venir faire une petite partie avec moi. Du coup ça c'est vraiment prévu, mais dans pas longtemps. Je pense que ma prochaine vidéo ça sera sur Call of Duty Black Ops. Après c'est à voir, je vous promets rien. Battlefield 3, je sais pas, c'est à voir, mais faut pas, parce que le Minecraft c'est pas que ça peut être énervant au bout d'un moment sur une chaîne YouTube, c'est que être variable, je pense que ça peut, une chaîne YouTube variée, ça peut plaire à plus de gens. Et donc, oui, alors aussi, je disais, du coup, dans toutes les petites maisons là-bas, il y avait toujours des petits coffres avec des petits trucs, mais c'est pas tout. Je vous montrerai après ce que j'ai eu. Tout derrière, là-bas, il y avait une mine. La mine la pire au monde, je vous jure, c'est une espèce d'énorme mine. Je vous montrerai des screens. Là, je vous montrerai des screens. Et franchement, mais c'était juste une mine titanesque. Mais énorme, je vous jure que c'était vraiment waouh. Par contre je suis morte beaucoup de fois, ça c'est dommage, ça vous aurait bien fait rire. J'ai beaucoup ragé, mais bon, ne vous inquiétez pas, durant la série vous allez sûrement me voir rager encore. Et donc aussi il y a j'ai aussi qu'est-ce que je voulais dire. Ah oui, aussi prévu une nouvelle série, donc comme vous avez pu le voir suite à ce que je vous avais dit, hein, le concours abonné. Du coup, il n'y avait qu'une proposition, c'était celle qui avait de likes. Moi j'ai été d'accord, je trouvais que c'était une bonne idée. Du coup, j'ai décidé, donc là c'est donc le concours, donc consistera à faire, le défi ça consistera à faire un concours avec les abonnés. Qui sera, donc c'est moi qui ai décidé un peu l'histoire. Donc il m'a demandé du PVP, de la survie et tout ça. Du coup moi j'ai décidé de faire quelque chose qui s'appellera Craft Your Kingdom. En fait ça sera une série 100%
enfin style Age of Empires. En gros, il va falloir que vous créez votre empire, mais vous devriez protéger votre balise. Du coup, vous aurez une balise et vous devrez la protéger. Si quelqu'un la casse, et ben vous êtes éliminé. Et du coup, ça sera par équipe de 3. Et il me faut 4 équipes de 3. Du coup, en proposez-vous via mon Skype que je mettrai en description ou par dans les commentaires, hein, n'hésitez surtout pas. Du coup, la série commencera, bah, je pense, dès que j'aurai déjà tous les participants, déjà ça sera bien. Alors après, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai eu différentes choses. Alors le diamant, je l'ai eu dans la mine, que j'ai trouvé 2 diamants dans des coffres. Le fer, bah pareil, là on manque pas beaucoup, enfin on a un peu de fer. Vous voyez, j'ai eu un peu de stuff, j'ai eu un arc, j'ai eu un livre tranchant. Du coup, les levels maintenant ils vont nous servir pour nous faire une épée. Je pense m'en faire une en diamant. Du coup, ce que je vous propose, c'est pendant la nuit là, d'aller tuer un peu de mobs. Comme ça, on va lâcher ce mob tranquille. Mais là, on va aller faire des champs. Des champs pour aller planter des graines. Déjà, voilà, on en a là. Parce que la nourriture, j'ai remarqué qu'en 1.7, elle partait hyper vite. Et ça, c'est très, 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 très énervant. Alors. Si je fais pas une ou, ça va pas le faire. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, où c'est qu'on va faire le champ? Ah ouais, maintenant, il me faut un seau avec de l'eau. Et donc aussi, je vais vous parler d'une série qui va venir, vu que je la tourne aujourd'hui, mais qui sortira peut-être pas aujourd'hui le premier épisode. Ça sera sur la chaîne d'un ami. Donc, ça sera une map aussi où on devra survivre. C'est un peu le même principe que Survival Map, sauf qu'il n'y a pas encore de nom. Oui, bref, moi je veux faire quoi? Un saut, c'est vrai. Hop. Et bientôt aussi, ce que je vais essayer de faire, c'est des nouveaux épisodes d'une fille sur une map aventure. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bon alors, maintenant faut que j'aille trouver. Ah, il y a un puits. Il est très joli ce puits. Oh, il y a un coffre! Mais fuck you! J'avais pas vu qu'il y avait un coffre! Oh! Oh là 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 là! Potion de force. La potion, enfin, je pense que cette map elle aurait été bien à deux. Du coup, ce que je pourrais faire, c'est peut-être inviter quelqu'un. Si vous avez un serveur et que vous voulez venir, hein, vous me le dites. Hein. On se fera un petit PVP. Alors. Ah mais merde, mais qu'est-ce que je reviens faire là? Ah oui, c'est vrai, je vais poser mes objets. Hop là, bon. Je vais récupérer. Ouais non, c'est pas grave, il y aura un petit trou dans le puits pour que je puisse prendre de l'eau. Voilà, alors on va faire celle-là. Par contre, je vous le dis maintenant, dans ma série, enfin, là, il n'y aura pas de redstone. Alors, si vous voulez voir de la redstone, laissez tomber, parce que moi et la redstone, ça fait 500 millions. Si un jour quelqu'un veut m'expliquer la redstone, franchement, ça m'intéresse. Hein. Enfin, même si je vais peut-être rien comprendre, essayez toujours, hein, mais c'est quand même chouette. Hop là. Je vais trouver des graines, ne vous inquiétez pas. Et hop là. Alors. Oh non, pas de la TNT, putain, je suis con. Moi. J'ai planté de la TNT, logique. Et j'irai voir si j'ai des os pour les faire planter plus vite. Enfin, planter, pour les faire pousser plus vite. Est-ce que j'ai une pelle? Comme ça, je vais couper un petit peu les arbres pour aller me chercher des graines. Une pelle, non? Oui, non? Oui. Allez, un petit peu de graines, s'il vous plaît. Ah, ben voilà une graine. Ah, bah, décidément. Voilà, c'est bon. Alors, bon, 7 déjà, c'est bien. Il nous en faut encore. Allez, des graines, des graines. Et après, on pourra peut-être faire des élevages aussi. Ça serait pratique, ça, parce que vu que la bouffe, ça se perd vite. La meuf, elle pense qu'à la bouffe, là. Mâcher.
Et aussi, j'ai vu un petit truc sympa ici. Attendez, je mange un peu. C'est là, c'est un tir à l'arc que je connaissais pas du tout ce concept. Bon, c'est vrai que c'est simple, mais c'est bien vu. J'ai pas de flèche. En gros, il faut tirer sur la cible. Je vous montrerai bien un exemple quand même parce que c'est un petit peu plus. C'est super sympa, je trouve. Du coup, pour les parcs, pour les gens qui font des parcs d'attractions ou ce genre de choses, je trouve que c'est très très sympa. Vous allez voir. Regardez. Par exemple, là, vous visez comme ça, là. Hop là. Même si c'est un peu bête, franchement, je pense que. Moi, je connaissais pas le concept, après, je sais pas vous, hein. Pourquoi j'ai une porte? What? J'ai une porte dans mon inventaire, d'accord. Après, je trouve que c'est ce concept est très sympa. Et par contre, si tu vises là, voilà, quoi, t'arrêter. Eh, mais c'est que j'ai 17 levels! Attends voir. Ça me donne des levels ou quoi quand je fais ça? Méfiance. Bon, ce que je vous propose, du coup, j'ai plus besoin de level. Je vais aller me faire une épée et on va un petit peu, on va prendre des blocs et on va partir à l'aventure. Et bien sûr, on va tracer notre chemin avec des blocs. Enfin, on va aller pas partir à l'aventure très loin parce qu'on va aller voir s'il y a des petits trucs aux alentours. Hein. Je sais pas moi, ce qu'il peut y avoir, mais. Voilà, on sait jamais. Du coup, parce que oui, j'ai une enclume, hein, comme vous avez, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai eu une enclume aussi qui était dans le village, que j'ai pris et que j'ai mis là. Ah oui, mais il faut peut-être que je me fasse l'épée. Je vais poser tout ce que j'ai pas besoin, déjà. Là. Voilà, donc, alors. Toi et putain, vous avez vu des bâtons vous? Je suis sûre d'en avoir. Ah là. Un peu là. Voilà. Hop. Hop. Tranchant 2, ouais, yeah, c'est trop cool. Non, je vais me prendre le casque en fer. Bon, quitte à faire un stuff entier. Hein. Voilà. Hop, allez, on y va. On s'en va à l'aventure. Ah, un cheval! Oh, il y en a plein! Oh, ils sont trop mignons! Ah, oh, un cochon! Toi, par contre, tu meurs, toi. Oh non! Par contre, toi, tu me laisses tranquille! Par contre, vous vous crevez. J'ai besoin de côtes de porc. Donne-moi tes côtes. Par contre, les chevaux, je les laisse en vie parce que les chevaux, c'est bon pour le paysage. Enfin, pas que pour le paysage, mais je peux en avoir besoin. Oh, des poules! Par contre, ça, je les tue pas. Et le reste aussi, comme ça, je les amènerai chez moi. Enfin, la vache, il n'y en a qu'une, alors je peux la tuer. Reste là, toi. Voilà. Bref, on va aller voir. Bon, le village est par là-bas, j'ai oublié de prendre des blocs. Comme une conne. Vous savez, et là, je me perds. Allez, bon, sur quoi on va tuer des mobs? Tout 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 Alors, qu'est-ce qu'il y a beaucoup de mobs? Non. Je crois qu'aussi j'ai plus de PNJ, je crois qu'ils sont tous morts avec les zombies. Bon, de toute façon, les PNJ, à part une usine à faire avec, et encore il me faut du fer pour faire une usine à faire, que j'ai pas beaucoup pour faire des échanges. Ah oui, le jukebox, faut que je le mette. Je vais le mettre où? Là. Voilà.
Ouais, ça aussi, je vais le poser. C'est pratique. Ah! Ah ouais, merde. Faut que je mette quand la porte, elle est fermée. Moi, je voulais faire quoi? Ah oui, c'est vrai. Il me faut un stack de cubelles. Est-ce que j'ai de la cubelle? Non, j'ai pas de cubelle. Eh ben, direction... Mais j'ai bien de la cubelle, je suis pas folle. Je n'ai pris un stack tout à l'heure. Bon, on va vérifier. Ben non, j'ai pas de cubelle. C'est totalement what the fuck, je deviens folle. Bon, alors on va prendre un autre bloc, hein. Un peu de dirt, un peu de ça, un peu de ça, voilà. On a tout ce qu'il nous faut. Et ça, on va les poser. Enfin non, on va le mettre à cuire. Du charbon, ouais, mais maintenant j'ai un peu de bois. Voilà. Et moi, en attendant, je m'en vais. Bah non, je peux pas. J'ai pas de la bouffe. Je ne peux plus sprinter. Oh, ça fait combien de temps que j'ai pas mangé une côtelette dans Survival Map? Oh là là. Allez, voilà, on peut s'en aller. Voilà. Allez, on s'en va à la découverte du pays. Enfin, c'est un peu con à dire comme ça. On s'en va à la découverte. Donc oui, on m'a souvent dit... Tes arbres dans ta série, les arbres dans ta série sont bizarres, bah c'est normal, hein. C'est des arbres faits à la main, du coup c'est des gens qui les ont fait eux-mêmes. Bon, je sais pas d'où ils sortent leurs arbres, mais bon. Voilà. Waouh, j'étais gâtée. Oh là là, j'ai lagué. Voilà, c'est beau, je lag. Un jour, je ferai un bon survival avec plein de mobs, plein de mods, qui rajouteraient des monstres surtout, ça serait chouette. Et non, mais, hé, vous avez vu comment je lag? Pourquoi je lag, là? Ouais, j'ai un gros coup de lag, genre. Option graphique. Alors, on va encore plus diminuer. Oh mon dieu, je suis en solo là. Voilà. C'est bon, je lag. Enfin, je lag encore un peu, mais moins. Hop. Le truc que j'aimerais bien en bas, là, c'est de l'obsidienne. Mais pour ça, pour avoir de l'obsidienne, il faut déjà en trouver, pour en miner. Donc là, c'était la mine, hein. Je vais pas rentrer dedans parce que c'est franchement un risque très 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 danger. Donc déjà, on va déposer tout ça au village. Tant que le squelette me tape pas, je le taperai pas. Oh là 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 là. Mais de toute manière, ça va être la fin de cet épisode 5 des Survival Map. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'étais contente de faire le cinquième épisode, même s'il était un peu à l'écart des autres. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner, hein, comme d'habitude, et aussi à mettre vos participations pour la série. Du coup, dans la description mon Skype pour que vous puissiez me contacter afin de votre participation. Donc la série Craft Your Kingdom. Allez, bisous.